Me revoilà. Voilà, bon, je vais avoir des VOD à la con que je vais devoir enlever après. Espérons que cette fois ce soit la bonne. Donc le débit est à 6000, on a laissé la 720p et croisons les doigts. Du mouvement. Surveillez J'ai vos capteurs mis de j'ai bruit. mis en lecture automatique. Et c'était quoi ce truc? John, vous voyez quelque chose? Eh, sérieusement, ça fonctionne là? Négatif. Zone Oh froide. putain, c'était ça, c'était le débit qui était trop bas. Bon bah voilà, on va faire une petite heure là-dessus, allez. A l'air d'aller. Espérons qu'il n'y aura pas de drop. Bon maintenant la cône tient qu'à un fil, hein. Il suffit que j'ai une. Il suffit maintenant que j'ai une simple perturbation et le stream sera dégueulasse. Mais bon voilà, allons-y. Ah merci, hein, merci de ton aide, Christophe. Ouais, je testerai la 1080 demain. Là j'ai pas osé parce que j'ai peur que ça fasse trop en fait. Bah je teste, genre je testerai la 1080 demain alors. On la testera quand on fera un peu d'Assassin's Creed, tiens. Ah, je vais faire attention à bien, Boss, il y a du bien mouvement, réinitialiser porte le de la CPL structure. souvent Noble 2, pour éviter poussez vers genre des l'ouest. problèmes Ils vont aussi. nous cerner. Hein? Ils m'ont coincé! Écartant! Bon bah c'est Contact! regardable, hein, super. Marchand, on appuie! C'est parti. Vous entendrez par le sous-sol. Descendez au niveau intérieur. Bon, je vais éteindre le PC. Ouais, super. Bah, j'ai mis en fait. J'ai laissé la Xbox calculer en automatique qu'est-ce qu'elle pourrait. Le meilleur débit qu'elle pourrait mettre. Et elle a mis 6000. Elle a mis 6000. Et ça, on a le choix entre 6000. Enfin, de toute façon, le maximum c'est 6500. Là, la Xbox a calculé 6000. Donc, à mon avis, elle a pas voulu mettre trop haut non plus. Donc, on peut mettre entre 100, enfin, 100 et 6000. Donc là, il s'est mis à 6000. On va plus toucher à rien. Ça a l'air d'aller. Je vais couper l'ordi parce que il me sert plus à rien. Je vois que l'image est nickel. Je ferai un check de temps en temps. Le chat est sur mon téléphone, donc je peux lire vos messages. On est parti. Hop. Voilà. Droit devant, je reviens. Il me semble qu'il crève facilement. Est-ce que j'ai. Je pense. Ouais, je pense que j'ai descendu normal. Ouais, je pense aussi. Ah bon, là, j'y suis depuis tout à l'heure. Je voulais un peu jouer. J'y suis depuis tout à l'heure en train de regarder. Là, j'ai positionné la Xbox à hauteur de PC pour être sûr qu'elle ne soit pas trop basse par rapport. J'ai réussi à donner un peu de mou au fil. Il est un peu Cible tendu, mais multiple il y a du mou confirmée. sur la fin, donc ça va. Mais bon, là, elle est bien mise. En plus, j'ai le refroidisseur du PC qui s'ouvre dans la gueule de la console. Là, je pense qu'elle est bien. Tir de suppression. Ah, j'ai hâte d'essayer Assassin's Creed demain. Demain, on va se faire de l'Assassin's Creed. Bah ouais, j'ai réussi à la tirer à hauteur de table, comme ça elle était pas Jack, trop il basse faut prévenir Roland. par rapport Filez au à sol. l'avant-poste tout de suite. Il
En plus, j'ai laissé là, j'ai mis la fenêtre grande ouverte, donc il y a une petite brise là, c'est parfait pour vous. Je ne trouve pas le bouton des grenades, c'est quelle touche? Ça c'est pour switcher. Table 3, demande de transport, terminé. Ah oui, c'est le seul autre gâchette. Ah non, c'est l'autre gâchette en fait, j'avais oublié. En fait, ça change d'un halo à l'autre parce que chaque halo, en fait, les commandes sont complètement différentes. Quand on avait essayé à ta maison le dernier, le Halo Infinite, la grenade c'était la gâchette du dessus, tandis que là, c'est l'autre gâchette qui sert justement à viser logiquement. Là ici c'est hop, celle-ci, voilà. Et je viens de gaspiller mes grenades, bon c'est pas grave. Lieutenant, suivez-moi. C'est vrai qu'on a des boucliers portatifs. C'est des boucliers portatifs dans celui-ci pour se recharger en urgence. Attention, la conduite dans les halos, c'est toujours un grand moment. La conduite est affligeante au possible. Parce que vous voyez, le stick, avec le stick, on peut juste avancer et reculer. Vous êtes obligé d'utiliser l'autre stick, mais qui fait en même temps bouger la caméra. Donc du coup, la voiture est une vraie patinoire en fait. Cible en vue. Sur 360, c'était une vraie plaie à conduire. Je sais pas si vous vous souvenez, je finissais à chaque fois dans le ravin. Je me fais canarder. Cible multiple. Excellent. Joli tir. Il faudra m'échapper. Voilà. Heureusement que les véhicules sont gonflés à l'hélium. Leader Noble, source de chaleur en provenance de la structure. Sérieux? Oh, je savais pas qu'il y avait. On pouvait y jouer au clavier souris à ce jeu. Bah, c'est vrai que si avec le Game Pass on peut y jouer sur PC, c'est logique. Je crois qu'on les a tous eu, lieutenant. Ça, c'est un kit de soins. Ah, c'est vrai que t'as pas de vie dans celui-ci. Dans celui-ci, t'as pas de vie et je pense que c'est. Tu respires un coup d'air frais et ça va mieux. Boss, je capte encore de l'activité à l'est. Je vous conseille d'aller voir. Reçu, 3. On est en route.
Je ne sais plus c'était dans quel halo, mais on peut faire un changement d'arme. Tu peux demander à ton compagnon d'échanger ton arme avec toi. Donc du coup, si t'as envie d'avoir le fusil là, tu peux demander. Mais je pense pas que ça marche avec ces compagnons là. Je pense que ça marche avec juste les ODST. Les ODST, c'est les fantassins classiques de l'UNSC. Ah oui, c'est vrai, je me demandais où je devais aller, mais en fait je dois regarder la, vous voyez, la petite boussole de mon arme pour suivre la flèche. Et ça vous donnera la direction. Sauf qu'il n'y a que votre fusil d'assaut qui fait ça. Donc si vous perdez votre fusil d'assaut, ben vous êtes marron. Ah, c'est marrant comme chaque fois ils colo. Enfin, vous les criblez des tours et qui sont en train d'agoniser dans leur sang. Boss, on capte un signal de détresse. Médée, 3 Charlie 6, quelqu'un me reçoit. Avons subi attaque des Covenants. Les Covenants sont sur Reach. Je répète, les Covenants sont sur Reach. Soldats, on y va, 6. On doit trouver l'émetteur de ce signal. Excusez-moi, mais il n'y a pas plus important à faire que des balades. On n'abandonne personne, vu. Si vous trouvez ces soldats, vous le dites. Leader Noble, je vois une armée potentiellement alliée sous le feu sud de votre position. Terminé. Je vais voir pour vous mettre les sous-titres, peut-être, parce que je vois qu'il n'y a pas de sous-titres en jeu. Ouais, ils y sont. Ah bah il n'y a pas de sous-titres pour les dialogues pendant les phases de combat. C'est... Nous sommes attaqués. Je répète, m'aider, 3 Charlie 6. Nous sommes en plein sous le feu des Covenants. Je suis blessé. Je vais pas tenir longtemps. Nous devons trouver ces soldats. C'est de finir entier. Ennemi repéré. C'est toute ma vie. Je sens que je vais faire une connerie.
Bon, au moins elle est arrivée. Ah voilà, c'est avec eux qu'on peut faire position. Ça. Préparez une ZA. Spartan, Caporal Travis, Charlie 3, ce sont les Covenant. On le sait, Caporal. On vient vous tirer de là. Réveillez-vous. Attention, transporteur ennemi en approche. Je fais feu. Trop de monde là. Oh, faudra qu'on essaye Doom Eternal aussi. Dès qu'on aura un peu fini le marathon à l'eau, je le téléchargerai. Parce que là, j'ai plus trop de place sur le disque dur. J'ai mis Far Cry, j'ai mis la Master Chief Collection. J'ai laissé Halo Infinite et j'ai installé. Ah, j'ai laissé Corvus le vaisseau. Et voilà, on va finir des jeux avant d'en installer d'autres. Et on fera du Weird West aussi. Que deux choses à faire. Nous sommes à l'avant-poste relais. Porte fermée et mécanisme explosé. Ça peut s'ouvrir ? Je vais sortir ma torche pour ouvrir un passage. Ça va prendre du temps. Je suis bluffé de la qualité sonore du micro. Il est vraiment... Quand je me réécoute, là, j'ai l'impression que... On sentait que celui d'avant, il commençait un peu à dater. Fasse gaffe avec l'antenne parce que j'ai l'impression que l'antenne est un petit peu fragile. Il faudrait que j'évite de faire des faux mouvements. Au pas de course. Yeah.
Ouais, donc là, on s'est fait un peu refouler par les Covenant qui sont venus en force. On a dû se retrancher dans le complexe. Séparés. À la radio, ça avait l'air de barder. Caporal, restez tranquille. On va vous dégoter un médic. Merde. Dégâts plasmiques. J'ai quelque chose. Je prends. Ça, c'est mon domaine. Contact, vivant cette fois. Allez, sors de là. Meren, Inen, Ne, Hagion, Begen. Tout va bien. On va pas te faire de mal. George, la tiens. Reste tranquille et je te lâche. Meg, it's Vanak. Quelle est votre situation? On est sous le feu! Contact sur notre poste! Négatif, 4. Restez à l'entrée. 2, occupez-vous d'elle. 5 et 6, en avant. Putain, j'avais oublié qu'il y avait des thèmes musicaux aussi sympas. Petite seconde. Je fais une pause de minute, je bois un petit coup. Moi j'avais eu de ce Halo là, j'avais eu la collector sur 360, un cadeau de mon frère. C'était quand j'étais encore étudiant, bien sûr, je vivais à l'appartement là. Et j'avais eu ce Halo là qui m'avait fait passer de sacrés bons moments. Je pense que j'avais même refait le jeu plusieurs fois, hein, tellement qu'il m'avait plu. Je pense que j'ai toujours la collector quelque part, faudra que je regarde. J'avais vendu la boîte du jeu. Mais j'avais gardé la grosse balise avec tous les documents collecteurs dedans. Je pense qu'ils sont dans mes cartons. Oula, je pense que j'ai appuyé sur le bouton du micro. Parce qu'il y a un bouton on-off sur le micro et je pense que j'ai appuyé sur off. Ah non, ça va. Face, le micro est un petit peu plus technique que l'ancien. Faites-les sortir. Je vous couvre.
aidez Kat à rétablir une liaison. Et après, vous revenez. Pour quand ? Ça, c'est la question. Si vous voulez savoir quand cette station sera réactivée, 2 semaines au mieux. Les principaux composants de liaison ont été cramés au plasma. 2 minutes, c'est déjà trop. Justement, je m'introduis dans le noyau central pour établir une liaison directe avec le colonel Holland. Vous me cachez la lumière, chef. Découvrez ce qu'elle sait. C'est quoi ton nom ? J'adore trop le look de Emily quand même, avec sa tête de mort sur le casque. Anevem George. Char. Char, c'est pas trop Zotnev. Ton accent m'est familier. Chopron ? Tengeri. Un ami à toi ? Père. Shaun Alom. Désolé. Désolé de quoi ? Visez-moi ça, si c'est pas touchant. Elle a perdu son père. Ce qu'il lui faut, c'est un suivi psy. Avec toi, ça fait 2. Vous deux, bouclez-la. Relevez-la. On abandonne le cadavre. Merci, chef. Signal. Faible, mais stable. Ça me suffira. Faites gaffe à ce que vous faites. La structure est foutrement instable. On reçoit à peine. Quelle est la situation ? Terminé. Colonel, ici Noble 1. Aucune activité rebelle. Les Covenants sont sur Reach. Répondez. Répétez, Noble 1. Vous avez comment ça coûte cher ? Affirmatif. Situation Winter Contingency. Que Dieu nous aide. Voilà, je pense qu'on a fini la première mission. Bon, on va plus toucher au débit, hein, pour la prochaine fois, on laissera à 6000. Je pense que là c'est correct, on verra peut-être pourquoi mettre en 1080. Alerte, Kilo 3-3 et Kilo 3-4. Votre zone d'atterrissage actuelle est non sécurisée. Bien reçu. Dot, standby pour mise à jour. On va continuer, oui, on va faire quelques missions. Coordonnées reçues. Correction de trajectoire immédiate. La password de l'ONI est actuellement assiégée par un bâtiment Covenant de classe Corvette. La nature hautement stratégique du complexe interdit provisoirement le recours aux frappes orbitales. J'ai tenté sans succès de réunir des données précises sur les troupes ennemies, mais nos forces défensives sont clairement dépassées. L'ONI ordonne que l'équipe Noble intervienne pour sécuriser la password. Ok, soldat. Pour l'instant, on est coincé avec ce radio. L'objectif, c'est l'infanterie ennemie. Allons donner un coup de main à nos gars. 4, 6, c'est à vous. George, Emile, ensuite c'est à vous. On se bouge, lieutenant.
baisser un peu le son du casque parce que ça me tamponne les oreilles. Contact ennemi pour vous, Spartan. Quand il y a des poum 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 comme ça, je sens la frustration des insectes. Et bien ce fusil, mais il est un peu long. Que je voudrais bien, c'est un fusil à pompe, ça m'arrange, ouais. Lol. MDR. On peut conduire le chariot élévateur. La porte centrale à l'est. Je vous briefe en chemin. Contrôle Sword, je vois un détecteur de cible. Vous avez de l'artillerie dans cette zone? Pas beaucoup, mais vos besoins seront prioritaires, lieutenant. Farragut a son propre dispositif de com. Ça devrait nous permettre de raccorder. Avec la batterie solaire d'Airview, on gardera le ciel dégagé. La tourelle anti-air est à l'ouest, la com à l'est. C'est parti. Je suis d'accord. D'abord on tire. Thank you.
remettre en route. Contact. Spartan. Rendez-vous à la station Farragut et faites pareil pour la com. Spartan, ici Control Sword. Je vous envoie des renforts mobiles. Oh lol. C'est un allié qui a pris un véhicule ennemi. C'est pas mal ça. Je crois qu'ils ont détruit le Warthog. J'espère trouver un autre véhicule alors, parce que... Comme je les aime, un tir, un vrai.
Observez le module de COM. Il est sans doute en hauteur. Ah super, j'ai fait un triple shot. J'ai gagné une peluche. C'est dangereux de laisser un engin pareil entre eux. Quand même le bazooka le plus lent du monde. On est posté dans l'atrium de la tour. Kat, où êtes-vous? Nous ouvrons la porte. Thank you.
maintenant. Prenez-le. Ah, enfin, on rigole. Il y a un fusil à pompe. Ah, atterrissage corsé. Où est le renfort orbital? Les quatre plateformes prévues pourraient le dégommer d'un seul coup de canon. Ça m'étonnerait qu'il se presse. C'est bon, je suis prête. Tout est bon, chef. Donc en fait, cet épisode-ci se passe quand Halo Reach se termine, en fait, c'est quelques heures avant Halo 1, si je me trompe pas. Ouais, j'aurais vraiment dû commencer par celui-ci. Il était infaisable. Comptez prêter main plante à Emile. George, veillez sur lui. Comptez sur moi. Et un fight confirmé. Ne les décevez pas. Au rapport. Ok. Je fais feu. La corvette va démolir notre base. Noble, rapport de situation. J'y arriverai pas tout seul. Il me faut l'aide d'un autre Spartan. 6, grimpez à l'étage supérieur et Emile. Salve de cette corvette. Flinguez ces Banshees. En haut, lieutenant. Je veux ces longs swords dans les airs. Il était temps. Sword en approche et paré. La défense orbitale est en place pour tirer. Ouais, avant, on pouvait changer la carrure de son Spartan, mais on dirait que ça a été retiré dans cette version. Parce que quand tu l'avais sur 360, tu pouvais créer ton propre Spartan de A à Z. Et là, magnifique, on pas vrai. T'impose d'office seul. Ça mériterait une photo. Changer, bien joué, au fait. C'est un plaisir. 5. On ne peut pas le personnaliser. Dirigez-vous vers l'aile scientifique. Le docteur Halsey va à débrief et le QG nous met à sa disposition. J'ai bien entendu. Halsey, vous dites?
Exact. Mobile vers position. La bonne blague. J'étais à sa botte la moitié de ma vie. J'ai réclamé votre aide, commandant, et je n'ai que faire d'un rapport sur des événements survenus sous mes yeux. Ce qu'il me faut, c'est un bilan détaillé de votre dernier engagement. George, ça fait un bail. Madame. Qu'as-tu fait avec mon armure? Je l'ai améliorée, rien de plus. Je vois. Le relais de Visegrad. Son central de données abritait l'un de mes xéno-archéologues, le professeur Laszlo Sorvad. Peut-être pourriez-vous élucider sa mort. S'il s'agit d'un civil d'une soixantaine d'années, il est mort perforé par une épée à énergie covenante. Des élites. Ils nous ont attaqués, nous aussi. Juste après qu'on a trouvé la fille de votre xéno-machin, madame. Elle se cachait dans... Peu importe. Dites-moi plus sur les élites. Ils étaient trois, de classe Devo. On en a buté un, le leader à vue de nez. Des Devo. Vous êtes sûr? Leur config d'armure correspondait. Leur bouclier, idem. J'ai donné l'ordre d'abandonner la poursuite. Notre premier objectif est de réactiver le relais. Votre premier objectif? Vous êtes un Spartan ou un vulgaire pantin? Dame. Certains à l'ONI, moi y comprise, soupçonnent les Covenants de déployer des escouades d'élite pour retrouver plusieurs de leurs artefacts religieux. Les rapports indiquent que ces détachements sont toujours réduits. Oui, Pika, j'ai trouvé. Et presque toujours composé de. Grâce à l'aide de mon frère, j'ai augmenté le débit. Nul doute que l'abondance des données archéologiques les a. En fait, je prenais le problème à l'envers. Il fallait pas baisser le débit, mais fallait. Nos ordres n'ont jamais stipulé de retrouver des données. Donc j'ai laissé la console. Et d'ailleurs, nous avions des priorités plus urgentes. Comme donner l'alerte. Pour ma connexion câblée, il en a choisi. La dernière archive consignée par le professeur Sorvad. Du coup, maintenant, ça a l'air d'aller. En tout cas, on m'a dit que c'était nickel. Il n'aurait jamais employé ce terme à la légère. Ça pixelise plus pendant le gameplay. Espérons seulement que le module dérobé par votre officier renferme. Au bout du quatrième essai. 4. Non, c'est pas grave, je vérifierai les parties foirées. C'est la procédure standard pour toute intrusion. Je laisserai juste la cinématique du début, je ferai un montage avec le reste. Votre curiosité pourrait vous expédier au trou. Vous la suivriez de près. Je vous demande pardon. La planète est sous le coup d'une procédure d'urgence. Nom de code, Winter Contingency. Vous savez sans doute ce qu'encourent les civils qui entravent une opération spartane. C'est une menace, commandant. Un conseil d'amis, madame, rien de plus. Escouade, on décolle. On va être à la mission 3. On va faire la mission 2. Ce sera tout, George. Et j'espère que ta ronde s'est bien passée. Ah, une mission sympathique aussi, je m'en souviens de celle-là. Mission en terrain ennemi, mais avec le spécialiste de l'infiltration, donc j'ai oublié son nom, celui-là. C'est le tireur d'élite de l'équipe. Il a une armure avec une ghillie sur lui pour avoir un camouflage forêt. Là, ici, pas question d'être tiré à tout va. Ici, c'est on y va en éclaireur. Escouade, bravo au rapport. 3 et 6 en position. Ça commence à barder sérieusement par ici, Kat. Alors, on y va. Signaler toute structure ou dispositif covenant. Probabilité d'engagement direct. Bien reçu. Quand Kat a le dernier mot, ça se termine toujours comme ça. Tenez, ça vous sera utile. Des balles perforantes haute vélocité. Elles dérouilleraient un élite à 2 bornes de distance, du premier choix. Ouais, super, ouais. Alors. On reste en contact. Je tenterai demain, quand je ferai un peu d'Assassin's Creed, je laisserai le même réglage, mais je mettrai la qualité en 1080. On va voir ce que ça va donner en 1080. Recon, bravo. Ce secteur est protégé contre la surveillance électronique. Les Covenants peuvent bloquer notre matos. Vous avez vu cet effet sympa? Et le commandant veut savoir ce que... Vous voyez ce que... Donc quand on n'est pas dans le viseur, on peut voir que la lunette continue de fonctionner.
et on peut voir le décor à travers votre lunette. C'est vraiment bien foutu ce petit détail. Oh bah c'est nickel. Si tu le dis que toi aussi que le rendu est propre, c'est que c'est cool alors. Bah j'ai été revoir il y a pas si longtemps, j'ai été vite vérifier. Et ouais, ça pixelise plus. Bah maintenant je ne vais plus toucher à la qualité, donc j'ai trouvé que c'était ça. C'est pour vous. En douceur. Pas mal. Il y avait un Covenant là-bas dans le fond, mais non, en fait, c'était les éclairs du bombardement au fond qui m'ont induit en erreur. Recon Bravo à Double 2, en attente pour rapport de contact. En attente de réception à vous. Je vois plusieurs ennemis en train de se balader dans une installation. C'est ça qu'on cherche, Kat ? Négatif. Trop petite et vous n'êtes pas encore en zone d'ombre. Feu à volonté, mais avancez. J'ai compris, Isis. Laissez tomber. C'est à ton tour. Ça me plaît. Les pauvres, ils savent plus quoi faire. L'ennemi me tire dessus.
Infos sur la bestiole? Affirmatif, Recon Bravo. C'est une créature indigène appelée Keta. Mon Dieu, des autruches. Aux armes. Magnum. Sécurité. Fais volonté. Le protocole. Noble 2, on est dans une sorte de station de service. Il y a des civils, probablement une milice. Ils tirent sur l'ennemi. Aidez-les. Ils ont peut-être des infos pour nous. On précise, ces civils doivent rester en vie. C'est fumier et tes boules en masse!
d'habitude, c'est quand même plus calme. Voir les Spartans au combat, c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? La zone est censée avoir été évacuée. On pouvait pas laisser des étrangers protéger nos maisons. Donc on est là. Pour ça. On a planqué des armes sur tout le territoire. Vous savez qu'elles sont volées. Bah quoi, vous allez m'arrêter? Non. Juste vous les reprendre. Attention, fantôme en approche. Un autre transporteur en vue. Je vais bouger. T'as eu chaud, toi. Il n'y a rien d'autre qu'un lac. Ça va à une centrale hydroélectrique. Et la porte ne marche pas. Il y a une autre route? Par le lit de la rivière. L'opération des armes. Donc, en gros, tout ce que l'UNSC considère comme de la contrebande. En gros, ouais. Faites voir. La rivière, on va voir où ça mène. Où mène le lit de la rivière? Droit à la centrale. La digue date de 45 ans. Ça fournit toutes les colonies du territoire en électricité. Ce serait dommage de l'abattre. On fait de notre mieux. Halte, transporteur Covenant, à couvert. C'est bon, on se penche.
Kat, tu vois ce que je vois? Structure covenante comme un gros pylône et lourdement blindé. C'est la source de notre zone d'ombre. Ok, on va la bousiller. Négatif. Placez une charge pour exploser le pylône à distance. Le commandement prévoit un gros truc, mais à l'aube. Il va l'exploser. On nettoie la zone, puis je place une charge télécommandée. Si vous voulez me couvrir, ne vous gênez pas. Ok, couvrez-moi le temps que je place là, ça ne prendra qu'une minute. Restez aux aguets.
l'extincteur du pylône. Parfait. Avancez dans la zone d'ombre. Le commandement veut savoir ce que les Covenants y planquent. Il y a une porte au sud-est de la centrale. Reçu. Je vous envoie tout de suite les codes de sécurité. Je pense qu'après cette mission, j'en ferai encore la prochaine et je m'arrêterai. On continuera demain soir à l'eau. Sinon, on essaiera de faire un peu d'Assassin's Creed de l'après-midi. Je déverrouille la porte. Recon, bravo. Vous avancez maintenant dans la zone d'ombre. Bien reçu. Voir ce que je veux. Un peu trop proche à mon goût. Alors je m'arrête après cette mission vu qu'il est déjà tard. Et vu que je pense que la prochaine mission est une mission avec un moment important dans l'histoire. Ouais, donc ça devrait être je vais sur les boules. Jackpot. Transmission visuelle. Tu vois ça, Kat? Confirmé. Contact relayé par Noble 3 et 6. Groupe d'assaut Covenant en visuel. C'est plus qu'un groupe d'assaut. C'est une armée d'invasion. Si on veut s'en sortir, va falloir qu'on s'active. Affirmatif. À toutes les unités Recon, repliez-vous. Le soleil s'élève dans quelques heures. Et la journée s'annonce agitée.
Ah bah oui, c'était bien ce que je pensais, c'est une grosse mission ici. Bon bah on va... Ah oui. Je vois c'est laquelle. Apparemment la découverte faite par l'équipe Noble hier n'a rien d'une anomalie. Des détachements provenant se sont déployés à notre insu, et nos positions du territoire Vieri sont attaquées, défense orbitale incluse. Comme l'impose la procédure, nous ripostons sur tous les fronts. Noble a identifié des écrans de camouflage qui masqueraient le déploiement d'armées covenantes. Et découvert une potentielle zone d'atterrissage destinée à d'autres troupes d'invasion. Leur origine reste à déterminer. Cette zone d'atterrissage est désignée cible prioritaire par l'UNSC. La détonation est claire et sonore. Reçu. Verrouillage sur le pylône en acquisition. Détonation dans 3, 2... Contact. C'est le moment de s'accrocher. Six. Vous m'entendez? Vous allez bien? Venez un peu m'aider. J'arrive. Bah voilà, bah du coup on continuera là demain soir et ici. Voilà, donc ici ça va être une grosse mission qui va se faire en deux parties, et puis dans un, ici, puis dans un vaisseau. Si je me trompe pas. Parce que ça c'est un des Halo que j'ai le plus joué, donc je m'en souviens encore un minimum. Bah voilà, bah j'espère que ça vous a plu, ça a fait un grand retour. Bon, il y a encore quelques petits ajustements à faire, il y a eu un démarrage un peu compliqué au début. Mais voilà. Bah c'était bien cool. En tout cas, on a vu que ce que la console avait à offrir, hein, c'est pas mal. Elle envoie du lourd. Encore là, on teste un jeu qui a été remasterisé. On n'a pas encore vu des vrais gros jeux tourner. Moi, j'en ai essayé quelques-uns, mais j'essaie de garder un maximum la surprise pour les lives. Ben voilà. Du coup, je vais vous laisser ici. Moi, je vais aller un peu me reposer parce que aujourd'hui, je suis rentré tard. La route a été... Là, j'ai fait beaucoup de route. J'ai fait une dialyse puis de la route. Donc voilà, je suis rentré assez tard. Et j'ai sous-mangé tard aussi. Donc voilà, mais je vous ai... Voilà, j'avais dit que j'essaierais de me dégarcasser pour faire un petit live. C'est chose faite. Voilà. Je ne vais pas lancer trop tôt non plus parce que si jamais, bah, comme j'avais vu, j'avais des problèmes techniques au démarrage, je ne voulais pas... Je voulais pas démarrer trop tôt non plus, je voulais pas me précipiter. Ben voilà, ben sur ce, ben je vous dis à plus. Et je vous dis à demain. Demain à coup sûr qu'on va continuer. Allez.